Vous vous rendez compte ce qu'on me demande de faire? Être 5 minutes sur 5 pour jouer un air de cornemuse? Mais comment voulez-vous que je fasse? Si vous saviez tous les tuyaux à raccorder, le sac à gonfler. Vous savez, jouer de la cornemuse, c'est comme l'amour. On met toute une vie pour s'accorder, pour quelques minutes de plaisir. Et puis après, ça se désaccorde encore. En plus, c'est un instrument. Et bien, le mieux où ça marche, c'est quand il fait entre 20 et 25 degrés, avec 80% d'humidité. Comme les femmes. Ben, c'est vrai qu'il pleut beaucoup en Irlande. C'est vrai qu'en Irlande, elle marche beaucoup mieux, ma cornemuse. Et vous savez, si vous allez en Irlande, vous aviez intérêt à y aller l'été. Vous savez pourquoi? Non. Parce que en été, la pluie est plus chaude qu'en hiver. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis allée en Irlande. L'été s'est tombé un week-end. Donc la cornemuse, c'est toujours un instrument qui est toujours un peu faux, qu'on essaye d'accorder juste. Et en plus, je suis sourde. Ce qui m'arrange très bien d'ailleurs. Peut-être pas vous, mais moi ça m'arrange. Alors aussi, j'ai un boulot, j'ai quitté mon boulot parce que j'étais vraiment très passionnée par la cornemuse. Et je joue à domicile, je fais des concerts. Et en même temps, ça fait double emploi. Je prends les chèques emploi-service. En fait, ça sert pour dératiser les jardins. Donc, je peux faire un concert dans les jardins. Vous allez voir, ça peut émettre des bruits tellement bizarres. Donc, ça enlève les rats, les mulots, les cafards. Il y a des cafards ici. Parce que je vous assure, ce soir, il n'y aura plus rien. Toutes les blattes vont être disparues.
J'ai entendu quelque chose sonner. Véronique Duhem, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Comment tu as ressenti les choses alors de ton côté? Oh, mais très très bien. Juste que les 5 minutes ont passé très très vite et j'ai été vraiment. C'est comme on n'a plus notion du temps sur scène et il y a des blagues qui sortent et c'est vraiment très intéressant comme expérience de venir au Field. Et oui, c'est pas facile de gérer son temps, mais tu l'as très bien fait. C'est ce que tu as bien introduit, tu as mis du temps à jouer, d'ailleurs, non, un moment si. Oui, j'avais envie de tout raconter, quoi. C'était extraordinaire. Oui, parce que donc tu joues de la cornemuse. Oui. Et c'est très original. Enfin, tu es très typée irlandaise, hein, je filme un peu aussi. Oui, ben là, c'est un de mes t-shirts préférés qui revient d'Irlande, quoi. I am only here for the beer, quoi. C'est le petit lutin porte-bonheur et le petit lutin qui aime la bière, quoi. Alors c'était, on a été surpris, c'était extraordinaire parce qu'il y avait de la musique puis aussi beaucoup d'humour. Oui. Et puis même de la poésie, je trouvais personnellement. Oh, c'est gentil. C'est gentil, ben, j'essaye de raconter, ça fait quand même 25 fois que je vais en Irlande, donc j'ai commencé la cornemuse en 1999. Et à chaque fois j'ai des anecdotes et donc j'ai plein de choses à raconter, très drôles, parce que déjà l'instrument par lui-même il est très drôle et il y a beaucoup d'insinuations dedans, c'est toujours très drôle, quoi. D'accord, mais c'est intéressant, d'où est venue cette passion, enfin, du coup, parce que c'est arrivé à assez... Je suis d'abord partie en Irlande faire un stage de percussion pour jouer du baron, et en fait, j'ai entendu une cornemuse là-bas, ça, j'ai commencé à pleurer tellement c'était beau, et ça a été le coup de foudre, et 2 ans après, je remontais en Irlande, et avec une cornemuse, quoi, là, j'ai décidé de faire la cornemuse là-bas, et... D'accord. Et donc j'ai commencé à apprendre la cornemuse, voilà. Ben c'est super. Et donc tu joues, tu nous as dit, à Marseille, là, régulièrement. Il y a des sessions irlandaises tous les lundis, sauf le premier lundi du mois. Et ça, c'est depuis 2003, quoi. J'ai voulu recréer l'ambiance irlandaise à Marseille. Et O'Brady's, c'est le plus vieux pub de Marseille, le plus ancien pub et le plus véridique. Je vous assure que quand je joue là-bas, je suis assise sur des paquets de tourbes, parce qu'il y a même de la tourbe près de la cheminée, et je suis assise sur la tourbe pour jouer. D'accord. Ben, c'est super, nous verrons un autre voir et nous te souhaitons une bonne continuation. Et puis je suis en train d'essayer d'écrire pour le théâtre et de... Parce que j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la musique et j'essaie d'allier les deux. La musique irlandaise, donc la cornemuse, la flûte, la percussion et avec des anecdotes de ma vie. Super, on te souhaite bonne continuation. Merci. Et puis on espère te revoir ici. Merci. Ou ailleurs.